Bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième numéro de votre nouvelle émission de sport en direct sur Canal 2 International. Pour répondre aux multiples questions de sport justement sur cette antenne, nous avons invité 5 panélistes triés sur le volet pour répondre à nos thématiques de ce soir. Yves Tiamadou est notre consultant habituel. Yves, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous nos panels et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Avec vous, d'entrée de jeu, on va parler de la préparation des Lions Indomptables du Cameroun qui viennent de livrer un match amical contre un club espagnol, troisième dans le championnat espagnol cette saison, c'est le club de Levante. Une victoire sans appel des Lions, 4-0. On a quelques images de cette rencontre-là. Mais avec vous, on revient un peu sur cette préparation, les deux derniers matchs disputés par les Lions. La défaite face à l'Espagne, 0-4, et la victoire aujourd'hui face à Levante, 4-0. Votre appréciation sur le sujet? En fait, moi, je crois qu'on aurait aimé voir cette victoire face à l'Espagne. Ça aurait peut-être mis un peu de... créer plus de confiance. Et puis, donner une certaine sérénité maximale chez ces joueuses. Parce que vous savez, le sparring partner quand même, espagnol est, à mon sens, plus important que celui de ce club espagnol qui a fini la saison, ça fait 2 à 3 semaines. Et qui a certainement certaines joueuses en sélection espagnole et puis certainement en vacances. Mais je pense qu'il faut essayer de relativiser sur cette victoire. Parce que quelque part, l'Indiofa a pris des gros risques. Et je crois qu'en tant que manager, entraîneur, c'est ce que je disais, quand on est manager et qu'on est un sélectionneur, au-delà d'avoir des qualités ou encore des vérités de la science du football, il faut être quelqu'un qui est capable de décider. Je pense qu'il a pu mettre une joueuse comme Ngondom, qui depuis 2016 n'avait plus vu le banc de touche dans cette sélection, sur le banc de touche, au détriment de... Au profit de Mabingo, voilà. Donc, une joueuse qui, son dernier match date lors des éliminatoires des Jeux Olympiques, parce qu'il faut dire qu'elle avait disputé toute la compétition des Jeux Africains à Brazzaville. Après ça, elle avait été perdue de vue. Elle revient là comme ça, elle ne prend pas de but. Ça crée de la confiance et ça resserre un tout petit peu l'avantage concurrentiel à ce poste où nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est le tendon d'Achille de cette équipe du Cameroun, avec Ngondom qui n'est pas très rassurante, malgré toute l'expérience qu'elle gagne. Elle n'est pas assez rassurante et elle a ses problèmes de prise de décision sur ses ballons, que ce soit sur le plan aérien ou bien au ras du sol. Maintenant, après, je crois que sur le plan psychologique, honnêtement, c'est du bon pour ces filles qui, 4-0, je ne sais pas quand est-ce que date un tel score pour les Lions. Vraiment, je ne sais vraiment pas, ça ne me vient pas à l'esprit. Ça date d'avant la CAN. Certainement en 2015. D'avant la CAN 2018, dans la préparation, il y avait une victoire aussi. Voilà, donc vous savez, c'est bien sur le mot, c'est bien sur le mental, ça peut stimuler ces filles, elles se sentent en confiance. Et ça peut mettre aussi l'entraîneur Ndioufa sérieusement en confiance, parce qu'il faut le dire, sur le plan du sparring partner, on peut battre en Belgique cette victoire, mais je crois que sur le plan mental, c'est du bon. À quelques semaines de cette compétition, il y a encore quelques matchs amicaux. Il y a que l'entraîneur aura le temps d'apprécier d'autres filles qui sont encore sur le banc de touche. Il a pu voir des joueuses comme Ambam qui se sont illustrées. Donc pour moi, c'est une très bonne victoire, beaucoup plus sur le plan mental. Ouais, avec ces quelques images, on va sortir également par le programme de préparation des Lions Indomptables. Du côté de l'Espagne, victoire 4-0 ce soir face à Levante, on le rappelle. Vous pourrez donc voir la prochaine sortie des Lions, c'est dans 3 jours, je crois, toujours du côté de l'Espagne. Le programme est affiché, vous pouvez donc le voir à l'écran. Il reste encore 2 matchs de préparation face à des clubs espagnols du côté donc de l'Espagne, bien sûr, pour nous amener vers cette Coupe du Monde en France. Autre invité, journaliste de sport, chargé de la communication du syndicat national des footballeurs, Jacques-Marcel Itiga. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir aux téléspectateurs de Question de Sport. Il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire des primes. La FIFA qui a envoyé une nouvelle missive aujourd'hui à la Fédération Camerounaise de Football pour régler ce problème d'ici le 31. Qu'est-ce qu'on retient de cette nouvelle sortie de la FIFA à l'endroit de la FECAFOOT? Ben, la missive date d'hier, le 22 mai, et la FIFA est claire. Le comité ad hoc, selon la FIFA, n'avait pas été présidé par la bonne personne, parce que pour la FIFA, il y avait conflit d'intérêts entre, pour ce qui est du président de ce comité, le président de New Stars, Poston Domke, qui était président du comité ad hoc en charge de réfléchir et de trouver des solutions à ce problème de salaire et prime impayé.
pouvait donc pas être président d'un club qui a accusé de ne pas payer les primes et les salaires aux joueurs, et puis il vient présider une commission en charge de résoudre ce problème. Donc la FIFA a dit qu'il fallait trouver une personne indépendante et ayant les compétences nécessaires pour cet aspect de choses-là. Et autre chose, la FIFA est claire dans sa correspondance d'hier, elle dit clairement que seuls les relevés bancaires qui attestent du virement des salaires des joueurs seront recevables. Et qu'à défaut de cela, les paiements à main levée ou toute autre forme de paiement doit se faire en présence d'un représentant du SINAFOP. Le SINAFOP devient comme la police un tout petit tout peu. Tout à fait. Le joueur doit écrire et signer dans une correspondance où il atteste qu'il a perçu ce salaire. Et cela doit se faire en présence d'un représentant du SINAFOP. Ouais. Donc, je pense que certains pensaient que l'affaire avait fait choucra, mais la FIFPro et le SINAFOP qui ont décidé de revendiquer ou alors de défendre les droits et les intérêts de leurs syndiqués, eh bien, la FIFPro et le SINAFOP ont relancé, c'était je pense le 27 ou le 26 avril dernier, la FIFA sur le sujet. Donc, c'est cette lettre conjointe SINAFOP-FIFPro, c'est cette correspondance adressée à la FIFA qui a donc abouti à cette missive de Madame le secrétaire général de la FIFA adressée au président de la FICAFOOT. On espère que cette fois-ci, les uns et les autres vont prendre cette affaire au sérieux, parce que certains pensaient qu'ils peuvent utiliser les joueurs sans les payer. Oui. Et maintenant, nous espérons que les présidents de club vont véritablement se retrouver avec le SINAFOP et la Fédé autour d'une table pour quand on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Ouais. Parce que la dernière fois, j'ai eu le privilège d'être membre de ce comité ad hoc. Aucun club n'a apporté la preuve de paiement. Certains clubs qui avaient répondu, la plupart, sinon la quasi-totalité, avaient simplement fait des mails en deux lignes pour dire qu'ils ont payé sans preuve. Et ils demandaient au SINAFOP d'apporter les preuves que les joueurs n'avaient pas perçu de salaire. Ce qu'on leur a dit que c'est impossible, c'est celui qui paye qui doit prouver qu'il a payé. Mmh. Et les règlements tels que mentionnés sur le contrat du joueur le disent clairement, la forme de paiement des salaires, c'est le virement bancaire. Ouais. Maintenant, je tiens à profiter de vos antennes pour réparer une injustice. On s'est trompé sur le cas, par exemple, de Liopa, où on avait eu des informations que Liopa ne payait pas. Mais le Liopa paye. Apporter des preuves. Oui, Raymond Kala nous a envoyé, qui est membre de l'équipe dirigeante, il nous a envoyé des documents, des relevés bancaires qui attestent que les salaires de mars, avril ont été effectivement. Pour sortir sur le sujet, au-delà du fait que la FIFA demande à la FECAFOOT de revoir sa copie, est-ce qu'il y a une menace sérieuse sur le football camerounais derrière cette affaire de salaire MPI des joueurs du championnat local? Tout à fait, puisque en Turquie par exemple, la FIFA, il y a eu quasiment la même chose en Turquie où les clubs étaient insolvables. C'est-à-dire qu'on payait 2 mois, 3 mois et après on ne payait plus. Mmh. Alors l'État turc, la FIFA a soumis l'État turc de résoudre le problème. Aujourd'hui, pour la plupart des clubs en Turquie, si on hormis Galatasaray, Fenerbahçe, les top clubs turcs, les autres clubs sont soumis à un traitement particulier, à savoir que vous envoyez les États à la Fédé, qui se charge de payer, et les documents sont renvoyés à la FIFA pour que la FIFA s'assure qu'effectivement ça a été payé. Donc, tel que nous sommes partis, on ne va plus reculer. Ça, ce sont les aérés de la saison dernière et les soldes de cette saison. Donc, pour les saisons qui viennent, on va inexorablement arriver à une situation où le SINAFOP va véritablement... Il y aura une certaine traçabilité. Oui, ce comité sera... Je pense qu'on va créer une structure permanente pour veiller à ce que les paiements soient réguliers. Enfin, il faut une commission de gestion, de regard. Oui, peut-être une direction de contrôle de gestion de club. Oui, je pense qu'il faut une structure comme celle-là qui va s'assurer de cela. On verra. Cette fois-ci, je pense que les uns et les autres prendront cette affaire très au sérieux et on va trouver des solutions tous ensemble. D'accord. Le délai fixé par la FIFA, c'est de 31 mois pour apporter des solutions à ce problème. La FECAFOOT doit désormais se pencher sur la question. Et ne pas seulement passer au futur match des Lions notable qui arrive du côté de l'Égypte, si on y est, bien sûr, concernant l'actualité. Autre invité ce soir, c'est un docteur Ferdinand Ngo, qui est un président de club,
il forme des jeunes ici à Douala pour la nation camerounaise. Justement, il a deux championnats africains au sein de sa formation. Il est également membre de la Ligue régionale de football du littoral. Dotongo, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir Yves, bonsoir Samuel, bonsoir Jacques Marcel. Jacques Marcel, que ça devient une habitude de le rencontrer sur les plateaux. Bonsoir à Jean-Marie Wam, il ne suffit pas. Bonsoir à tous les téléspectateurs et j'espère que le panel ainsi constitué va répondre aux satisfactions des téléspectateurs. Belle introduction. Avec vous, on revient sur le 20 mai, le 20 mai qui était donc la fête nationale de l'unité au Cameroun, mais aussi la fête, l'anniversaire, le jour marquant l'anniversaire d'une école du football mondial. Il s'agit de Roger Milla et la FIFA a fait une sorte de remember. Invité de notre plateau ce soir, aujourd'hui reconverti dans la formation des arbitres sur le plan fédéral, plan national. C'est un instructeur de la Fédération Camerounaise de football. Il travaille également pour la Ligue régionale de football du littoral. Jean-Marie Wam, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de saluer tous vos téléspectateurs qui sont scoutés à cette émission. Avec vous également, on va découvrir notre document de la FIFA, qui après Roger Milla, pour le 20 mai, a pensé également à François Omambik, né un 21 mai. On découvre l'élément tout de suite. Ce but légendaire face à l'Argentine, est-ce que c'est tout ce que vous retenez du joueur qui est aujourd'hui âgé de 53 ans, François Omambik? Non, pas du tout. Les souvenirs pour Mam sont assez nombreux. Je voudrais vous parler d'une anecdote. Je suis né à Mbanga et Puma FC joue contre Étoile Sportive de Mbanga. Et à l'époque, on nous disait, nous étions enfants, on nous disait qu'il y a deux grands joueurs dans Puma. Omambik et Kanabik. Et quand ils sont arrivés, nous avons une équipe qui était quand même très forte, relevée, mais ils nous ont battu 2-0. 2 buts de François Omambik et 2 ballons de transversal Omambik. Donc, à partir de là, on a commencé à retenir qu'il y a une étoile montante dans cette équipe. Et très vite, ça n'a pas tardé que Claude Leroy a déniché ce valant et talentueux footballeur. Comment oublier ce but de 1990 qui nous a ouvert les portes du Mondial 90 et tout le monde connaît la suite de l'histoire. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football camerounais et nous pouvons nous réjouir parce que c'est un fils du littoral né le 21 mai 1966 à Sarbaïmé. Quand je dis Sarbaïmé, Jean-Marcel doit se retrouver parce que c'est dans son environnement originel. Donc, mais il faut, je vais revenir sur ce que le docteur a dit pour dire que, vous voyez, nul n'est prophète chez soi. C'est la FIFA qui nous rappelle que nous avons des icônes qu'il faut célébrer. Et je pense que la meilleure célébration que nous devons faire de ces icônes, c'est de trouver des choses qui marquent l'histoire et pour toute la vie. Roger a revendiqué, entre guillemets, le stade des Japonais, mais il y a mieux, ou alors... Il y a d'autres. Il y a d'autres choses qu'on peut leur conseiller pour que l'histoire soit jamais marquée. D'accord. Voilà. Enfin, notre dernier invité sur cette table de questions de sport, c'est un homme très connu pour son franc-parler, observateur averti dans le... du management des joueurs dans les différents clubs, management des clubs camerounais, en quelque sorte, dans les différents plateaux sur plusieurs chaînes de télévision. Samuel Zoker, bonsoir. Bonsoir Marc Chouamou. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonsoir au panel qui vous accompagne ce soir et bonsoir aux charmants téléspectateurs de Canal International. D'accord. Avec vous, comme il est de coutume, il y a le facteur X dans cette émission. On va parler donc de ce fait de jeu rocambolesque qui est survenu lors d'un match de basketball ici à Douala, un match de championnat, au Final Four, un match très important pour le titre entre Condor et École de basket. Je ne vous en dis pas plus. Vous regardez cet élément et puis on commente derrière avec Samuel Zoker.
forte réaction à froid, puisque le moment a eu lieu le week-end dernier, un joueur de basket qui s'en prend à l'arbitre aussi violemment. Est-ce que vous êtes choqué quand vous regardez ce type d'image? D'abord, Marc, l'image est parlante. Je crois que quand on dit choquante, ça ne mesure pas l'ampleur. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quels dégâts cet arbitre a pu subir. Et vivement dans le monde du sport, nous savons que cela s'est produit en plein match. C'est d'abord une faute. Ça veut dire que même si c'était vis-à-vis de son adversaire, c'est inadmissible dans le jeu. Et maintenant, s'en prendre à un arbitre, je pense que c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que s'il faut faire un parallèle avec le football, la première règle, c'est de protéger d'abord ceux qui sont chargés de diriger les rencontres. Et nous savons qu'est-ce que les footballeurs en cours souvent, chaque fois qu'ils posent des actes qui ne sont même pas similaires à tout ce qu'on a vu. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait des accrochages qui démontrent une certaine hostilité, le joueur est sévèrement sanctionné. Et là, nous voyons que d'abord, c'est un acte prémédité, et c'est un acte qui relève de la sauvagerie et de la barbarie. Et je pense que d'abord, sur le plan du jeu, il faut éviter d'avoir ce genre de comportement sur l'aire de jeu. Et maintenant, pour l'équipe, je crois que ça vient saquer tout un moral, parce que si déjà vous avez affaire à un coéquipier qui a les élans de boxeur, je crois que vous-même, vous n'êtes plus en sécurité. Oui, on rappelle que le joueur, c'est Marc Oubon, alias Yao, qui était un international camerounais, qui évolue pour École de basket, et c'est Kondo qui a remporté le championnat. Est-ce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu? Si c'était en football, poser la main sur un arbitre, ça vaut quoi comme sanction? Je voudrais vous rappeler un fait pareil dans un match Aigle de Tchang Bamboutos. Non. Aigle de Tchang, mon Cameroun, où j'ai été un joueur à pousser ma tête. Il a pris un an de suspension. Donc, en football, c'est minimum 2 ans. Parce que là, ce n'est pas la bousculade, c'est la bastonnade. C'est la bastonnade. Et c'est réprimandable. On ne peut pas tolérer cela. Ça peut même aller jusqu'à la radiation de ce joueur, des activités du football. D'accord, donc il faut une sanction dissuasive. Mais bien sûr, parce que comme Samuel l'a dit, c'est de la barbarie. Il peut même se porter sur le terrain du pénal avec cet acte-là. D'accord. Parce que là, on est sorti du sportif. La Fédération camerounaise de basketball va se prononcer sur la question dans les prochains jours, si sanction sera retenue contre Marc Oubon, qui a d'ailleurs déjà demandé des excuses envers cet arbitre qu'il a violenté. C'est trop facile. Transition, et puis on prend donc le premier thème de cette émission, question de sport, la première question, juste après ceci. Premier thème de ce soir, pourquoi la tanière des U17 gronde-t-elle au lendemain de cette victoire glorieuse donc, du côté de la Tanzanie? Jacques-Marcel Itiga, vous avez suivi cette actualité en tant que journaliste de sport. D'abord, quelles sont les informations que vous avez sur ce sujet du côté de Yaoundé avec la mise à l'écart des joueurs de l'hôtel, tous les problèmes qu'il y a pour voir? Pour vous, ça, c'est dû à quoi cette grogne des joueurs dans cette sélection? Bien, c'est dû à la mauvaise organisation de notre football. Il y a un décret qui réglemente tout ce qui concerne les primes des différentes sélections au Cameroun. Ce décret dit 3 mois minimum, 3 mois avant chaque compétition, il faudrait que la fédération, le ministère des Sports et les acteurs, c'est-à-dire que le staff et peut-être quelques joueurs, s'asseyent pour arrêter la grille des primes pour ce qui est de la compétition concernée. On est à quelques semaines ou quelques jours du mondial féminin, on n'a jamais parlé des primes, rien que pour prendre cet exemple-là. Et chaque année, compétition après compétition, les sélections nationales camerounaises de football connaissent les mêmes problèmes de primes. Là, il s'agit des U17 qui sont allés à cette CAN-là, et les infos que nous avons, c'est que en allant à la CAN, les responsables de notre football, les administrateurs, ont pris sur eux d'arrêter la grille des primes sans s'asseoir avec les acteurs. Et ce n'est que
au Rwanda, lors du stage au Rwanda, que l'équipe découvre, est informée de cette grille de primes. Ils ont appelé ça prime par objectif, à savoir, vous comprenez quand on dit par objectif. Maintenant, il y a eu des échanges entre l'équipe, c'est-à-dire que les membres du staff et les représentants des joueurs et les représentants de la Fédération Camerounaise de football. Il y a eu des compromis. Ils se sont accordés sur un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées entièrement par la suite. Là, on nous parle de prime de participation, prime de présence. Moi, je pense que c'était 500 000 en réalité. Oui. Parce que quand on nous retrace un peu l'affaire, c'est que l'équipe a réussi. Les membres de l'équipe ont reçu 500 000 dans un premier temps. Après, lorsque le ministre est arrivé sur place en Tanzanie, je pense que c'était en Tanzanie. Oui, c'est en Tanzanie. Voilà. Lorsque le ministre arrive, ils perçoivent encore 350 000. Ensuite, ils sont qualifiés pour les demi-finales, ils reçoivent 500 000. Et puis maintenant, pour le sacre, ils reçoivent 2 millions. Ça fait 3 350 000. Mais quand on regarde la correspondance ou alors le communiqué ou la note d'information, je ne sais plus trop, de la Fédération Camerounaise de football, on parle de 4 éléments. C'est-à-dire qu'on nous parle de la prime de présence, on parle de la prime de qualification pour les demi-finales, on parle d'une prime de podium, et puis derrière, on parle des primes allouées par le MINSEP, à savoir une prime spéciale de participation et une prime spéciale de qualification pour la finale. Maintenant, moi, j'ai un problème par rapport à cela, parce que quand on dit, au départ, on vous dit, bon, OK, on va vous primer par objectif. Ça veut dire que le premier objectif, c'est quoi? C'est de sortir. Puisqu'on a la CAN U17, le premier objectif, c'est de sortir des poules. Arriver en demi-finale. On donne, parce que ça, c'est un objectif atteint. Oui. Mais sauf que quand vous atteignez cet objectif de demi-finale, vous êtes qualifié pour le mondial. Ça fait un deuxième objectif atteint. Oui. Parce que rien ne dit que tous ceux qui sont là aujourd'hui seront en Coupe du Monde. Donc, ils doivent avoir leur prime de qualification pour la Coupe du Monde. Pour ce ça a été omis par la fédération. Mais pour vous, c'est fait exprès? C'est fait exprès. Parce qu'on s'est dit, ce sont des gamins, ils n'y comprennent rien. Mais quand on dit prime par objectif, premier objectif, sortie des poules, on donne. Deuxième objectif, puisque le même objectif, c'est un double objectif, ça vous qualifie pour la Coupe du Monde, on doit donner. Maintenant, on dit, demi-finale, il y a trois types de médailles et les trois médailles ne peuvent pas avoir la même valeur ni la même prime. Donc, ça veut dire que si vous êtes éliminé en demi-finale, vous êtes néanmoins sur le podium si vous êtes troisième. Oui. On donne. Mais maintenant, lorsque vous vous qualifiez pour la finale, c'est un autre objectif atteint, vous êtes déjà finaliste. Il faut donner cette prime. L'objectif de la finale est atteint, il faut donner. Et maintenant, lorsqu'on gagne la finale, il faut bien donner également. Donc, quand on rassemble cela, la correspondance de la Fédé me pose un problème parce que ça n'obéit pas aux objectifs. Les objectifs ont été atteints et la suite n'a pas. Et puis, on devait nous préciser là que la prime de performance était de temps. Bon, on va y revenir dans la suite du débat. Est-ce que ce problème de prime tire ses origines du non-respect du décret du chef de l'État datant donc du 26 septembre 2014 qui organise un peu les compétitions à venir dans les sélections nationales en parlant de fixation des primes 6 mois avant la compétition? Est-ce que c'est ça le nœud du problème pour Yves? Oui, je pense que Jacques Marcel l'a dit. Le décret n'a pas été respecté. Et nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde. Ce n'est pas encore respecté. Donc, je crois que c'est une cacophonie habituelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ceux qui dirigent le football se plaisent dans cette situation assez brumeuse et obscure qui facilite un tout petit peu des petits détournements. Vous savez, il y a un problème au Cameroun, c'est que le premier problème que moi j'ai toujours posé au niveau du financement, au niveau de l'argent des compétitions, c'est le fait que ça ne passe pas par des virements ou bien par des comptes. Le fait d'avoir du cash. Il n'y a pas une certaine traçabilité. Que ce soit avec les U17, les U20 ou les seniors, c'est un premier problème pour moi. Ça facilite des glissements inopportuns entre les mains des joueurs. Parce que je crois qu'il faut qu'on soit dans un monde qui respecte la donne. Nous sommes dans la NTIC, tout est facile aujourd'hui, tout est numérique. On n'a pas besoin du cash pour aller, on n'a pas besoin des valises, on n'a pas besoin des coffres pour marcher avec. Quand on se retrouve dans une compétition, c'est très amateur, c'est très désagréable. Et ça peut, à un moment donné, stimuler d'une manière démesurée un joueur qui prépare une rencontre. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, venir négocier les primes en plein stage avec des jeunes de moins de 17 ans, c'est pour préparer les enfants dans quelle psychologie avant la compétition. On connaît tous la précarité dans laquelle
ces enfants vivent au Cameroun. Pour certains, c'est pas pour dire, c'est pas pour insulter, mais on sait dans quelle précarité les footballeurs sont au Cameroun, même dans leur famille. Donc, venir avec de l'argent comme ça, ça peut stimuler démesurément des footballeurs. Ça, ce n'est pas que le cas des U17, dans toutes les sélections nationales. Il faut qu'on apprenne à s'arrimer à ce qui est moderne. Avoir un compte bancaire aujourd'hui, ces enfants ont des parents, on sait qu'ils sont des mineurs, mais il y a des autorisations parentales, il y a ces enfants ont des parents, ça peut passer par là. Ça, c'était une chose. Maintenant, pour revenir dans le cas spécifique, je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de retracer les choses. Vous savez, avant 2017, le budget alloué par la CAF, la CAN, était de 142 000 dollars avant 2017. Depuis la CAN 2017 au Gabon, c'est de 620 000 dollars. Le vainqueur avant 2017 avait 50 000 dollars. Aujourd'hui, ça c'est pour la CAN des je suis sur la U17. Avant 2017, le vainqueur avec 50 000 dollars. Le finaliste avait 25 000 dollars. Aujourd'hui, avec l'exécutif d'Amat, c'est monté à 620 000 dollars, ce qui fait que le vainqueur a 150 000 dollars, le finaliste a 100 000 dollars, le demi-finaliste a 75 000 dollars. Donc, et je pense que ne pas dire déjà ça aux enfants, aux joueurs, c'est un manque de respect, c'est un manque de professionnalisme. Vous allez rendre compte que, par exemple, à l'équipe de France, avant le Mondial 2018, la Fédération française, par son président Noël Le Graët, et c'est un cas de l'équipe de France, c'est entendu que, quelle que soit l'étape où l'équipe de France sortira, elle percevra 30% de la cagnotte de la FIFA. Parce qu'à chaque étape, il y a une cagnotte. Donc, en faisant un tel ratio, ça devient simple au niveau du partage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet imbroglio au niveau des objectifs fixés, au niveau du montant alloué, au niveau même de la forme dans l'ensemble. Oui. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaie un tout petit peu de revoir le process au-delà de ce qu'on va toujours discuter sur des choses inutiles. Il faut qu'on essaie. Non, Marc, il faut qu'on essaie de revoir. Parce que là, je vous parle, c'est de l'argent. Et ces enfants sont au stade, ils ont besoin de construire leur vie. Je n'encourage pas le fait que à des mineurs, on remette des sommes faramineuses. Parce qu'en tennis, laissez-moi parler, en tennis, dans les catégories de moins de 18 ans, on ne remet pas assez d'argent. On prime beaucoup plus le matériel de travail. Donc, ce n'est pas ça qui est de mise. Mais sauf que, quand on revient au Cameroun, quand on fait une transition au Cameroun, le problème, c'est que cet argent, on pouvait ne pas le ramener directement aux enfants. Mais à quoi ça sert après? Ça ne sert pas au développement. Ces enfants, après, c'est quand ils restent au quartier, ils ne jouent pas parce que rien n'est mis en exergue pour qu'ils développent, pour qu'ils prennent le football. Même le club n'en profite pas. Voilà, donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'on veut absolument qu'on leur donne tout cet argent, mais c'est que cet argent doit être mis à contribution pour développer le football. D'accord. À défaut, donner ça à cet enfant qui se bat pour aller chercher ses trophées. Docteur Ferdinand Gore, vous avez deux jeunes joueurs dans cette sélection, champion d'Afrique. Vous êtes un président de club, vous avez forcément discuté avec vos enfants. Quand on entend des chiffres évoqués par Jean-Marcel Tiga et ceux évoqués par Yves Tchamadeu, quand on regarde, pour vous, est-ce qu'il y a un véritable problème? Pourquoi est-ce que la FECAFOOT n'est pas aussi claire sur ce sujet? Non, je crois que délibérément, on veut créer un problème autour des Lions. Je le dis parce que le développement de Jacques Marcel ressent certains éléments qui sont contemporaines à toutes les sélections nationales. On parle, et je crois qu'Yves relève le fait que les virements bancaires seraient souhaitables. Je crois que ça n'a rien à voir avec le paiement ou non des primes chez les U17. Et je crois qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame. Comparer la France au Cameroun. Non, c'était pas une comparaison. Oui, non. Si vous le relevez sur un plateau, quand on parle du Cameroun, ça veut dire que... C'est pas une comparaison. Là-bas, c'était pas une comparaison au niveau de la forme, mais au niveau de la négociation. Quand je vais finir, vous allez parler. Si nous parlons des primes de l'U17 et vous nous parlez de France 98, c'est un monde de cas. Ce qui se passe... Revenons sur le sujet. Pour vous, est-ce qu'il y a problème? Pour moi, il n'y a pas problème parce qu'on veut créer un problème. Lors des compétitions, qu'est-ce qui se passe? Il y a un budget qui est préparé par la coordination nationale des équipes nationales. Et il y a une réunion tripartite, à la limite même quadripartite. Il y a la coordination, il y a la FECAFOOT, il y a le ministère des Sports et la préfecture et la primature qui fait les arbitrages. Ce n'est pas que le coordinateur ou la FECAFOOT décide délibérément d'imprimer et de donner telle ou telle prime. C'est une réunion présidée par la primature où le ministère et la fédération viennent défendre un budget. Et certaines rubriques sont modifiées au gré de ces réunions. Ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. Ça se passe avant la compétition. Maintenant, un budget étant fait sur des prévisions, le budget est exécuté au fur et à mesure.
que la compétition avance. Et je le dis, j'ai été dans la tanière, chez les A', chez les U17. Je suis promoteur, j'ai eu des enfants dans les sélections depuis 2015, depuis 2013, j'en ai. Les deux, les champions d'Afrique, j'en ai. La rumeur sur le non-paiement des primes est une fausse information, je tiens à le dire. Puisque les primes prévues, quelles que soient leurs appellations, ces primes ont été entièrement versées aux enfants. Et la forme pose problème, puisque je suppose que quelqu'un qui n'a jamais touché... Mais vous connaissez forcément un peu le montant, vous avez causé un problème majeur de toutes les sélections nationales. Oui, le problème de moyens, il ne me revient pas. Il ne me revient pas, moi, de donner les montants. Jacques Marcel les a donnés. Oui, mais forcément, vous connaissez les montants. Mais vous êtes d'accord avec Jean-Marcel sur les chiffres évoqués? Sur les chiffres, je ne contredis pas Jean-Marcel, mais je dis sur le processus des primes. Et maintenant, la qualification à une compétition et les filles qui sont qualifiées pour le mondial, leur prix de qualification entre dans le budget général de préparation de ce mondial. C'est l'habitude locale et ça a toujours été comme ça. Docteur Genoux, sans vous couper, si à partir du moment où il y a un process dont la finalité n'est pas respectée par les montants, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on peut définir un process selon les étapes et qu'à la fin, le montant alloué à cette étape ne soit pas respecté, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que vous ne connaissez pas les montants. Alors que Jean-Marcel lui donne les montants. Il dit qu'il connaît les montants parce qu'il a deux joueurs dans la sélection. Donc il ne veut pas juste dévoiler les montants. Vous parlez de problèmes de mineurs. Mais avec Samuel Soquel, je ne sais pas encore prononcer. Le point sur lequel il a raison, c'est le non-paiement de la prime de participation au mondial. De qualification. Qualification mondiale. Qualification pour la Coupe du Monde. Quand on se qualifie. Jacques, on va revenir en temps. Pour préciser, quand on s'est qualifié à une compétition, je prends l'exemple des U17. Cette équipe s'est qualifiée en accédant aux demi-finales. Oui. Donc il y a deux objectifs qui ont été atteints, les demi-finales plus la qualification pour le mondial. Alors, on n'est pas sûr que dans ce staff et au niveau des joueurs, que c'est la même délégation qui ira en Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est cette équipe-là, c'est ce staff-là et ces joueurs-là qui ont qualifié. C'est eux qui doivent bénéficier de la prime de qualif. D'accord. Maintenant, la prime de participation au mondial, ce sera autre chose. Et puis, j'ajoute à cela, vous nous direz que dans cette catégorie, on n'a pas droit à la prime du top sponsor. Mais sauf que, lorsque Orange Cameroun, et ça peut se vérifier, lorsque Orange Cameroun, sans publicité, vient remettre les smartphones et les cartes de rechange, parce qu'il y avait 5 cartes de recharge d'une valeur de 10 000 remis à chaque joueur plus le téléphone. Les dirigeants d'Orange leur disent, vous aurez droit à une prime spéciale qui est en étude, le DG va arrêter le montant et le montant sera communiqué lors de la signature du renouvellement du contrat avec l'Africa Foot. Le renouvellement s'est fait, mais y a pas on n'a jamais donné. On reviendra sur cette affaire de prime. Avec vous, Samuel, c'est vrai que vous allez revenir également sur ces questions de primes, de montants et autres, mais voir quand même des joueurs mis à la porte de leur hôtel, on aurait pu éviter ce supplice, non? Merci Marc. Mais c'était au lendemain, c'était quelques heures après le défilé du 20 mai où ils ont communié avec le chef de l'État et tout le peuple camerounais, la fête de l'unité avec le trophée fièrement à la main et bien habillé. Oui Marc, avant de répondre à votre question, il faut quand même relever une chose. C'est Yves Tiamadou qui l'a dit. La réalité, c'est que c'est toujours comme ça que ça s'est passé au Cameroun. Moi, je commence à m'intéresser aux choses de football. En 90, nous savons ce qui a entouré la participation de l'équipe du Cameroun de football majeur à cette compétition. C'était toujours un problème de prime qui a même débouché à certains scandales. Nous sommes allés en 94 aux États-Unis. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas clarifié où se trouve l'argent entre Paris et New York. Du coup de cœur. Voilà. Et après, nous sommes allés en 98 en France. Vous avez toujours subi le même problème. Là où c'était encore très grave, c'était Corée-Japon 2002. Ouais. Mmh. C'était vraiment scandaleux. Même au JO. Voilà. Non, je me concentre sur le mondial. Ça veut dire que c'est l'équipe Fanion pour montrer le degré d'inconsistance qui se produit dans notre football. Et en 2006, nous n'étions pas qualifiés. En 2010, en Afrique du Sud, nous avions vécu. L'apothéose, c'était 2014. Et on s'est dit, après 2014, plus jamais ça. C'est le fameux décret qui réglemente les sélections nationales. Ce décret, je vais vous dire, qu'il a été élaboré lors du forum sur le football. En mai 2010, j'ai participé à ce forum.
et le professeur Joseph Ouna, qui était chargé de baliser le cadre institutionnel du football camerounais. C'est là où ils ont élaboré ces décrets. Mais il est resté dans les placards. On est venu le réveiller avec le scandale du mondial brésilien. Et quand on a mis sur pied ces décrets, le décret 2014-386, ce décret en lui-même porte des incohérences parce que pour le rendre opérationnel, là-dedans, vous avez d'abord des conventions de collaboration que la FECAFOOT doit définir avec le MICEF. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Vous avez des tests particuliers qui doivent harmoniser l'application de ce décret. Jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Maintenant, on retombe sur ce que Jacques Marcel a dit. Et quand on se réfère à ce décret, il est bien dit. Il y a trois primes spécifiques. Prime de présence, prime de performance, et maintenant prime de qualification. Au cas où cette compétition vous donne accès à une autre compétition qui était liée à celle-là. C'est des primes majeures. Et on dit que le montant doit être arrêté 6 mois avant, lorsque c'est les Jeux olympiques et autres, mais lorsque c'est une Coupe d'Afrique des Nations, quelle que soit la catégorie, trois mois minimum. Tout doit... Non, lorsque c'est... je m'excuse un peu. Lorsque c'est la CAN, c'est 6 mois. Lorsque c'est des petites compétitions telles que les JO, c'est là où c'est 3 mois. Et jusqu'aujourd'hui, je parle sous le contrôle... Jacques Marcel, je parle sous le contrôle de M. Ngor. La FECAFOOT a été incapable de non seulement mettre sur pied une grille de paiement de ses primes, mais la FECAFOOT a été incapable jusqu'aujourd'hui de rendre public ce qu'on doit payer aux joueurs. Oh, en 90, nous l'avions vu. Nous étions des enfants. On savait qu'après telle étape, chaque lion reçoit tel montant. C'était fait. Aujourd'hui, c'est impossible. Je comprends un peu mon grand frère, Dr Ngor. Il a les enfants dans cette équipe. Et les menaces fusent de toutes parts. Parce que ça, il faut le relever. Aujourd'hui, on a demandé à l'entraîneur Libi Thomas de venir avant les communiqués. Parce qu'il y a eu deux communiqués. Il y a eu un communiqué de la Team Press. Après, il y a eu un communiqué du secrétaire général. Communiqué du média officier de U17. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu le communiqué officiel de la fédération. Oui. Et pendant ce temps, la FECAFOOT n'a rien dit. Mais avant ces communiqués-là, on a demandé à l'entraîneur, Thomas Libi, de venir démentir dans les médias que les joueurs ont reçu... Non, de venir confirmer dans les médias que les joueurs... ont reçu l'argent et qu'ils font une grogne pour rien. Et à la suite de son refus, on lui a adressé une demande d'explication. Ça, c'est les faits. On ne les nie pas. Et maintenant, on a dit à ces joueurs qui réclament leur prime que s'ils continuent, ils n'iront pas au Brésil, à la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas vivre... On a pris l'exemple des filles qui ont été écartées de la sélection. Donc, ça, c'est un environnement. Je comprends bien mon grand frère, Dr Ngor. Il a deux enfants qui sont dans cette sélection. S'il dit quelque chose aujourd'hui de maladroit, je crois que ces deux enfants seront exclus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Il a tenu un peu en laisse, c'est ça? Non. Mais on va regarder un tableau assez évocateur quand même. Il faut cesser. Non. Jean-Marcel parlait de quelques chiffres tout à l'heure. Ouais. Nous également, on a essayé de recouper. Et on va voir qu'entre ce que Jacques-Marcel dit, c'est que nous, on a recoupé à quel âge. Il y a quand même quelques petites différences. On ne sait plus où se donner de la tête, ce tableau sur les primes touchées par les joueurs des U17. Pourquoi autant de mystères sur ces primes-là, Jean-Marie Wam? Autant de mystères. Le prochain tableau d'abord avant de revenir sur celui-ci. À la réalisation, si on peut avoir le tableau suivant, s'il te plaît, Colin, ce tableau suivant sur les primes des U17. Voilà. On parle tantôt de 3 millions et quelques du côté de la FECAFOOT. Ouais. Ça, ce sont des infos tirées à bonne source. Et puis d'autres parlent de moins de 3 millions, parlent autour de 1 million 200, qu'on n'a pas donc respecté totalement les primes. Jean-Marie Wam, pourquoi autant de mystères? Pourquoi ce flou? Et là, on a quand même plusieurs versions sur ces primes reçues par les joueurs CU17. Non, écoutez, il y a des choses que j'ai entendues ici par les panélistes que je ne peux pas laisser passer. Donner l'impression que les joueurs qui ont pris part à cette CAN, que je félicite d'ailleurs, ont des problèmes de primes. Je crois qu'on en fait un peu trop. Et c'est généralement comme ça que la presse se comporte. On dit souvent que vous êtes spécialiste des trains qui arrivent en retard. Mais cette fois-ci, je pense que le train est bien entré en gare. Donc, les commentaires que nous développons, j'ai suivi
mon frère Zoker fait ressasser l'histoire des primes au Cameroun, mais je pense qu'il faut l'intégrer avec le contexte actuel, avec le nouvel exécutif à l'Afrikafoot. Est-ce que le nouveau président de l'Afrikafoot n'a pas respecté ses engagements? Vous avez parlé du décret numéro 2014-384 du 26 septembre. Et vous, dans ce décret, il y a la convention MINCEP-FECAFOOT. Et le docteur Ngor ajoutait le rôle du premier ministère. Vous comprenez que pour les questions de primes, il y a quand même des pesanteurs. Il y a autant de ministères qui sont associés. Mais maintenant, pour la part de la FECAFOOT, et en ce qui concerne les joueurs de la CAN U17, tous les primes ont été payées. Je dis tous les primes ont été payées. Les joueurs, est-ce que vous avez suivi des joueurs se plaindre? Même la pseudo, écoutez, même la pseudo sortie de l'hôtel brutal, c'est faux. Ah bon? Oui, c'est faux, je veux vous dire. Les joueurs ont été convoqués à Yaoundé le 17 mai pour prendre part au défilé. Ce qui fait grogner les enfants, c'est qu'ils s'attendaient à une prime spéciale du chef de l'État. Et ils étaient presque convaincus qu'après la fête du 20 mai, après les échanges... Dites qu'on leur a promis, mais on n'a pas payé. Donc vous dites qu'ils ont l'impression qu'ils ont été utilisés. Laissez-moi en venir, laissez-moi finir. Je dis bien que les enfants s'attendaient à une prime spéciale du chef de l'État, comme le chef de l'État a son habitude, a souvent eu à le faire aux champions. Oui. Il a fait pour Mbango, il a fait pour Issa Hamza, ainsi de suite. Donc les enfants étaient presque sûrs que après la réception du 20 mai, ils auront des primes spéciales du chef de l'État, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et donc, retourner à l'hôtel, on a effectivement libéré les enfants parce qu'ils sont venus le 17, il y avait la question des répétitions pour les défilés, c'est pour ça qu'ils sont venus 3 jours avant, et ils devaient repartir après le défilé. Et on leur a remis, comme à leur habitude, leur prime de taxi. Ou de transport. C'est l'hiver, combien, monsieur Wam? Mais ils ont généralement pris cet argent. Pourquoi cette fois-ci? Prenez sur vous de nous donner les montants. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vais vous donner les montants qui varient de 2 000 à 45 000. 2 000 pour ceux qui sont à Yaoundé. Je dis, c'est les primes de transport. Et cette fois-ci, ils ont refusé simplement parce que. Ils ont été un peu déçus de ne pas recevoir la prime spéciale du chef de l'État. Si on résume bien, vous cantonnez les jeunes à Yaoundé pendant 3 jours, vous leur remettez 2 000 francs, monsieur Wam. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi, on peut faire ça à votre enfant. C'était pas une prime. Ils ont déjà reçu toutes leurs primes. Oui, donc ce n'est pas une prime. Vous les renchérissez ? Ce n'est pas une prime. Je crois que j'ai cru entendre des gens dire que les enfants ont été chassés de l'hôtel le 20 mai. Oubliant que la réception... Le 21 mai, monsieur Ngo. Ah, c'est déjà une correction. Ouais, au lendemain du 20 mai. C'est déjà une correction. Et autant que je sache, monsieur Zoker et tous les panélistes, tous les téléspectateurs, lorsque l'État donne un bon de commande pour un hôtel, il le donne pour un temps limité. Il ne le donne pas à éternel. Il y a une proforma qui est faite. La proforma est validée sur un certain nombre de jours et un certain nombre de délais. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont été menacés. Mais moi, je n'ai pas reçu de menaces. Jean-Marcel, d'aucun disent que c'est le coach qui aurait... Non. Je vous dis, je n'ai pas reçu de menaces. Et de deux, je crois que je peux parler. Oui, allez-y, docteur Ngo, allez-y. Parce que si nous voulons rétablir les vérités, comprenons déjà que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs comprennent, tous les panélistes comprennent que les élections sont terminées. Mais personne ne parle des élections. Oui, j'en viens. Moi, je les élections sont terminées et il faut laisser le nouvel exécutif prendre ses marques. Et il prend bien, il prend même très bien ses marques. Ce n'est pas parce qu'on fait du bruit sur les réseaux sociaux que ça n'avance pas. Donc vous pensez qu'il y a une... Oui, il y a une cabale et une sorte d'exagération. Il y a une exagération. Ils sont en train de conspirer. Nous sommes dans un même forum. Nous sommes dans un même forum, Samuel, où il a été dit la semaine dernière que le SINAFOC a cessé de travailler depuis 2 ans. Tout le monde l'a lu. Il n'y a que le Dorsengale qui a dit, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Mais les réseaux sociaux ont publié que le SINAFOC ne travaillait pas. Les portes sont fermées. Mais nous venons de recevoir une lettre de la FIFA qui nous montre que le SINAFOC travaille. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on travaille, monsieur. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision qu'on travaille, on travaille sur le terrain. D'abord, et les résultats comme ceux du SINAFOC se voient sur le terrain. Ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire pour détruire une nation. Et
On parle du paiement ou non des primes de U17. Vous nous ramenez en 90, c'est très bien. Mais on parle des U17 là de 2019. Ça veut on dire, ne parle pas de cet exécutif. Je ne veux donner raison à personne, mais je dis que moi, depuis j'ai été dans la tanière, on ne donnait pas les montants qu'on donnait aux jeunes. Pour la simple raison, Yves l'a dit, si tout le monde sait que les enfants qui sont en train de quitter l'hôtel sont en train de quitter l'hôtel avec tel montant d'argent dans leur poche... Mais c'est vous qui payez en cash, monsieur. Mais c'est vous qui refusez de payer par virement bancaire. Non, il y a deux... On n'a jamais payé par virement bancaire au Cameroun, monsieur. C'est vous qui refusez. C'est la faute des U17. Ma type l'a dit. Des seniors indomptables. Est-ce que tu es d'accord avec moi que lorsqu'on a demandé aux A d'apporter leur compte pour les virements, ça n'a pas été fait? Non. Jean-Marcel, les chiffres avancés, s'il vous plaît, les chiffres avancés par Jean-Marie Wam tout à l'heure. Un encadreur dans le staff des Lions U17 parle d'une somme entre 2 000 et 10 000 qu'on aurait proposé aux joueurs comme frais de taxi, qui ne concorde pas avec je les confirme. Chiffres de monsieur Wam. C'est un membre du staff qui a recueilli l'anonymat, justement, peut-être le peuple de représailles, qui parle d'un montant de 2 000 à 10 000 et que les gens ont refusé de prendre cette somme. Mais tous les autres ont eu 2 000 ou 10 000 francs. Très bien. Ce sont les montants. C'est le montant qu'on leur donne souvent. C'est le montant habituel. C'est le montant habituel. Jean-Marcel, s'il vous plaît. Et j'explique pourquoi. C'est qui est. Évitons de rester en périphérie ou de faire dans la distraction. On parle des primes. Pour sortir de l'hôtel, on a remis des frais de taxi, 2 000 francs CFA à tous ceux qui résident à Yaoundé. Tout à fait. 10 000 francs pour ceux qui résident à Douala, 20 000 francs pour ceux qui résident au Septentrion. 45 000, monsieur. 20 000. Laissez-moi, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Non, 45 000. Laissez-moi. C'est pas parce que les tarifs habituels. Soit vous parlez et moi vous écoute. Vous avez parlé, j'ai rien dit. Laissez-moi finir. Allez-y, Marcel, s'il vous plaît. Mais d'abord, autre chose. Moi, je dis et j'assume ce que j'ai dit. Je ne suis lié par personne. Je parle, je regarde la caméra, je dis c'est 20 000 francs. Oui, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas lié que vous allez mentir. Maintenant, autre chose. Pour prouver que je ne manque pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas lié. Je l'ai dit ici tout à l'heure. C'est celui qui paye. C'est qui est vrai. C'est celui qui paye qui apporte la preuve du paiement. Non, c'est vous qui je suis d'accord. Vous qui niez le paiement. Soit on se respecte et vous me laissez parler, soit alors vous n'allez plus parler. S'il vous plaît, laissez Jacques Marcel. Allez-y. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est celui qui paye qui a la responsabilité de prouver qu'il a payé. Je suis d'accord. Partiellement d'accord avec le docteur Ngo qui dit que pour ses enfants, il ne fallait pas divulguer. Mais maintenant, il y a problème. Alors, quand la FECAFOOT se fend en communiqué pour dire « voilà ce qu'on avait dit qu'on va payer », ils disent « prime de présence », mais on ne met pas le montant. Il faut mettre le montant. Ils disent « prime de ceci », mais on ne met aucun montant. Il faut mettre les montants. C'est la réglée. Maintenant, pour sortir pour cette prise de parole, les joueurs se plaignent. Des membres du staff se plaignent. Vous demandez qu'on vous donne des noms, on ne donnera pas le nom parce que vous allez guillotiner les têtes. Les présidents de club ont dit comme ça. Je me rappelle le président de club qui a dit « Apportez-nous les preuves que les joueurs se plaignent. » Mais non, c'est eux qui vont apporter les preuves qu'ils ont payées. Alors, je finis en disant ceci. Soyons intègres, ne venons pas ici défendre des causes ou alors des causes individuelles ou des chapelles. Ces enfants n'ont pas perçu la totalité de ce qui leur a été promis. D'accord. Je parle de primes de performance. On a parlé primes par objectif. Bon. J'ai énuméré les objectifs. On va regarder ces deux tableaux. Avec la permission de la réalisation, on va prendre le tableau qu'on aurait dû prendre tout à l'heure. Le premier, le money price du vainqueur. Yves l'évoquait tout à l'heure. Le money price du vainqueur. La Fédération camerounaise de football a empoché la somme de 150 000 dollars. Soit 82 500 000 francs CFA. Est-ce que lorsqu'on a ce type de somme, est-ce qu'on doit avoir ce type de problème si ça avait été réglé à l'avance, Yves Tchamadou? Ça, c'est pour le trophée, c'est pas tout. Oui, ça, c'est pour le trophée. Je pense que oui, le money price. Ça fonctionne les étapes, c'est-à-dire voilà. Demi-finaliste, grand finaliste. Je crois que il faut se dire une chose. On ne va pas à la CAN, on ne va pas calibrer ou définir les primes en fonction du gain de la compétition. Ils vont à la CAN défendre le drapeau. Le problème qui se pose, c'est le sérieux
et le professionnalisme dans le process. Je suis d'accord. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation où, à plusieurs reprises, la FECAFOOT a toujours été défensive dans la communication. Ça, c'est un problème personnel que j'ai. On n'a jamais vu une communication de la fédération sur cette, avant cette compétition qui énumérait, même en termes de, je sais pas, en termes même de quota ou de montant, ce que les enfants devaient percevoir dans la CAN, aux yeux de tous. Parce que si on avait eu ça, on ne devait pas faire ce débat aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand vous avez des enfants qui vont à ce genre de compétition et qui vivent ce genre de problème, vous ne pouvez pas imaginer le malaise que vous pouvez créer au niveau du talent de ces joueurs. Moi, je vous assure, on a besoin de garder cette génération brillante, stable psychologiquement et bien encadrée sur le plan technico-tactique. On a une Coupe du Monde qui arrive. Mais au-delà de ce qu'on dit, où sont passées les suivettes? Quand on donne les suivettes aux enfants et puis on récupère ça à la fin de façon astucieuse. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous ne rentrez pas à votre hôtel, vous changez après le défilé. Vous changez à la fédé et on vous dépose au palais. C'est très grave, et dès qu'ils se sont changés pour mettre des costards, ils ont récupéré les survêtements. C'est après quand le dernier tableau est venu qu'on rappelle les enfants. S'il vous plaît, Jean-Marcel, le dernier tableau, oui, vous allez réagir, Samuel. Le dernier tableau pour sortir avec vous sur cette question de la grogne des Lions U17, c'est ce qu'ont reçu les Guinéens qui sont finalistes de cette compétition. Des journalistes guinéens l'ont confirmé que les joueurs, sur toute la compétition, ont reçu chacun 15 000 $, donc soit 8 millions, 8 par joueur, soit 8 250 000 francs CFA par joueur sur la compétition. Ça, sauf que Marc, c'est carrément démesuré par rapport à ce qu'on a proposé. Le problème, c'est alors que l'équipe est finaliste. Le problème, c'est pas ce qu'on donne en Guinée ou bien ce qu'on donne au Cameroun. Le problème, c'est le process. Elle serait dans le fonctionnement. Si on avait une vraie communication. Voilà, c'est ça qu'on parle. C'est pas le montant. Si vous permettez, parce que je dois répondre à ta question, celle de savoir l'imbroglio que nous avions suivi à Yaoundé le 21 mai dernier. D'abord, Yves Tamadou l'a si bien dit. Il faut qu'on cesse d'être comme si nous étions encore dans la barbarie. Parce que quand j'utilise le terme barbarie, c'est parce qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de sentiment vis-à-vis des autres. Quand on invite ces enfants, il fallait être précis. Ils ont été invités par la FECAFOOT, ils ont été invités par le MINSEP ou ils ont été invités par le chef de l'État. Jusqu'à présent, on n'a pas été capable de dire à ces enfants qui les a invités pour le défilé. Non, monsieur, vous n'avez pas d'enfants là-dedans. S'il vous plaît. C'est le gouvernement qui a invité les enfants. S'il vous plaît. Ne dites pas qu'on n'a pas dit aux enfants. Au moment où ils partent d'ici, ils savent que c'est le gouvernement qui les a invités pour le défilé à la place du 20 mai. Permettez-moi. Non, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Permettez-moi. Est-ce que la FECAFOOT invite les gens pour le défilé? Permettez-moi. Question simple. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui invite les gens pour le défilé? Monsieur Gore, permettez-moi. En répondant à cette seule question, vous comprenez que votre argumentation est déjà barbare en elle-même. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, mais je ne peux pas vous permettre d'avancer dans ce qui n'est pas vrai. La FECAFOOT n'a jamais. Ce que je veux donc dire, rapidement, on va boucler sur le sujet. C'est que ces enfants, on n'a pas été capable de leur dire qui les a invités. C'est pour ça qu'à la fin, on ne leur a pas dit qu'est-ce qu'il valait l'invitation. Parce que, monsieur Ngor, lorsque vous êtes invité quelque part, on vous prend en charge. Ça, c'est l'hébergement. On vous donne la ration et on vous donne votre per diem. Vous avez été à la FECAFOOT, je ne peux pas donner les montants ici. Ils sont d'abord faramineux par rapport aux 2000 qu'on donne aux enfants. Donc, quand vous prenez les enfants, vous les mettez en cage pendant pratiquement 4 jours et vous remettez à chacun 2000 francs. Oui, mais ils étaient cloîtrés à l'hôtel. Ils n'avaient pas de mouvement, ils n'avaient pas de contact avec l'extérieur. Ils étaient cloîtrés là-bas. C'est des mesures de sécurité. Et je suis d'accord, c'est pas ça le problème. Mais j'ai dit, quand vous avez retenu les enfants, quand vous avez retenu les enfants pendant 4 jours, même le simple fait de leur dire bonjour, ça veut dire que M. Ngor, lorsque votre frère du village envoie son fils chez vous passer une semaine, vous n'allez pas lui remettre 2000 francs pour aller rentrer. D'accord. Pas de mon frère. Merci, monsieur. Je vous dis que les enfants, au moment où ils vont à Yaoundé, ils savent très bien que c'est le gouvernement qui les invite. Parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui invite les gens au défilé. Il ne faut pas dénaturer les choses. On n'a pas dit aux enfants. Les enfants sont sûrement, et M. Wamela dit, au moment où ils vont à Yaoundé,
Docteur Bo, qui paye les primes? S'il vous plaît. Et pourquoi aujourd'hui vous pensez que c'est le procès de la fédération que nous faisons ici? Vous avez parlé des élections qui sont passées et qu'on n'est plus à. Vous pensez que c'est le procès de la fédération? On parle des gens qui n'ont pas été de temps. S'il vous plaît, le problème des mortels ne sait pas que c'est l'État. S'il vous plaît. L'argent de sélection nationale, ce sont les deniers publics. Restons encore dans les statistiques. Ce sont les deniers publics. On va prolonger le débat la prochaine fois. Si vous m'avez au thème de ce premier thème. 30 minutes pour parler du. Il reste 30 minutes pour parler du second, juste après cette transition. On quitte du Tania à l'autre, on fait juste un pas. On quitte des 17 pour les Lions de Notre-Dame. A tout de suite. Monsieur, c'est bon, on va passer à autre chose. Ça, c'est chaud hein, quand même sur question de sport. Je crois que c'est encore le seul à poser des questions dans cette émission. Allez, le second thème, justement, on parle de la Tania, monsieur. La question du soir, on a 30 minutes pour l'évoquer assez rapidement. Clarence Seedorf est-il le vrai boss de la sélection nationale du Cameroun? Clarence Seedorf, au vu de ses choix récemment avec cette liste qui est sortie, d'abord une liste de 34, ensuite trois joueurs qui ont été appelés quelques jours après pour un stage dont on ne connaît pas encore où il va se dérouler et autres. Est-ce que Clarence Seedorf est le vrai patron de cette équipe à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations? On va poser la question d'abord à Dr. Ngo. Dr. Ngo, votre avis sur la question? Si Clarence Seedorf est le véritable patron. Oui, par rapport à ses choix, par rapport au temps imparti pour la préparation de la CAN, on ne connaît pas encore le lieu du stage. Mais est-ce qu'il y a des joueurs en deux vagues qui démontrent qu'il n'en est pas le patron? Je ne sais pas. Mais pourquoi y a-t-il donc des débats pour savoir s'il est le patron? S'il y a des éléments, s'il n'y a pas d'éléments qui démontrent qu'il n'est pas. Non, à votre avis, il n'y a aucun élément qui. Moi, je pense qu'il est le patron de son équipe, jusqu'à ce que lui-même dise qu'il n'est pas le patron. Et vos arguments, vous appuyez sur quoi, concrètement? Mais sur le fait que lui, c'est lui qui, jusqu'à ce jour, c'est lui qui convoque les joueurs. Est-ce que dans sa façon de faire, dans son attitude, n'a pas remarqué que c'est un peu un tatillon, hein, quelque sorte? Mais est-ce que c'est seulement chez Clarence Seedorf que c'est attiré à la veille de la compétition? Est-ce que la liste qui participe, est-ce que la liste des Lions est connue? Est-ce qu'on pose la question de savoir si le coach des Lions est véritablement le patron? Alors, restons sur ce sujet des Lions, parce que pour les Lions, il y a un délai, la liste doit tomber de 24. Oui, mais dans tous les cas, il y a les délais. Dans tous les cas, il y a les délais. Et je veux qu'on cesse de toujours vouloir être les 20 millions de sélectionneurs. Et s'il ne fait pas ce qu'il fait ou ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'il n'en est pas le patron. Et je pense que la carrière d'un homme comme Clarence Seedorf lui impose quand même une certaine hauteur, une certaine dignité. S'il n'en était pas le patron, il nous aurait dit « je ne suis pas le patron ». Maintenant, il est dans un environnement, il travaille dans un certain environnement qu'il découvre. Et en dernier lieu, comme il l'a toujours dit, c'est lui qui arrête la liste. Jusqu'à ce qu'il y ait la preuve que ce n'est pas lui qui arrête la liste. Mais jusqu'ici, il a dit qu'il est le patron. A-t-on des éléments convaincants pour démontrer que Clarence n'est pas le patron des Lions? Ou c'est parce qu'il y a une liste de 37? De 34 plus 3. Oui. Et ce n'est pas la première fois qu'on a à la veille d'une compétition 34 joueurs appelés à l'équipe nationale. À deux mois du Mondial 82, Jean-Vincent a appelé combien? L'entraîneur Jean-Vincent a convoqué combien de joueurs? Avant d'entrer dans la liste, rappeler les faits historiques, mais vous venez là maintenant, c'est la même catégorie. On est dans les joueurs chez les A. Oh là là, mais c'est pas un problème de catégorie, c'est un problème de date. Oui, le docteur qu'on demande des faits. Est-ce que vous répondez par l'affirmative à la question du. Justement, je veux développer. Ou à la négative? Est-ce que, selon vous, Seedorf, vous êtes le vrai boss de cette équipe? Je pense que, pour moi, il n'est pas le vrai boss. Et j'explique, docteur m'a demandé des éléments aujourd'hui qui peuvent nous pousser à penser qu'il n'a pas totalement la même mise sur la gestion de cette équipe. Le premier élément, c'est simplement que lorsque Seedorf est intronisé à la tête des Lions de Notre-Dame, il convoque, sa première liste est publiée, en conférence de presse, les journalistes remarquent qu'il n'y a aucun joueur évoluant sur le territoire camerounais. Il dit clairement qu'au Cameroun, il n'y a pas de joueurs qui évoluent dans nos championnats, qui a un niveau international, susceptible d'être convoqué en sélection. Un discours semblable à celui
Hugo Brousse avant lui, alors, il semblait avoir suivi de Volker Finke. Voilà, alors, sauf que c'est Seedorf, le grand Seedorf qui le dit. Alors, on doit respecter cela parce que c'est Seedorf, vu son passé dans le foot en tant que footballeur et sa petite expérience aussi en tant qu'entraîneur. Mais sauf que rebelote quelques jours plus tard, il y a une série de joueurs qui évoluent au Cameroun, qui sont ajoutés à sa liste que lui, il a publié, il a présenté à la presse. Des joueurs même des championnats régionaux. Et parmi ces joueurs, il y a un jeune joueur qui évolue en division départementale du Vouri, très cher, ce département très cher au Dr Ngor. Et ce joueur, parce que nous, on aime quand on appelle les joueurs évoluant dans tous les championnats, sauf que ce joueur-là est blessé, il est convalescent, il revient d'une opération. Vous parlez de Lucas Guedi à l'époque. Super, ça veut dire qu'il n'est pas opérationnel. Alors, est-ce que Seedorf, le grand Seedorf, peut convoquer un joueur de ce niveau-là et qui de surcroît est blessé? Premier élément. Il en veut des éléments, je vais en donner encore. Seedorf également, il nous avait habitué que... Il peut avoir été induit en erreur. Ah, non, laissez-moi développer. Vous voyez quand vous parlez, allez-y, Jean-Marcel. Sauf que Seedorf, pour la dernière liste, il nous publie une liste de 34. Lui qui, chaque fois qu'il veut publier la liste, il vient en conférence de presse, il explique ses choix. Cette fois-ci, il n'est pas venu. Je ne veux pas vous dire que j'ai eu à entendre, j'ai eu dire que ceci. Non, je m'en reste au fait. On va commenter après. 34, 3 jours, 4 jours après, rebelote, on ajoute 2 noms. Et puis on ajoute encore un troisième. Qui s'appelle qui? Samin Djok, qui joue en 3e division en Turquie. Où il n'a même pas aligné plusieurs matchs. Mais là, alors, la fédération, est-ce que le cas Samin Djok, c'est une signature fake. La fédération on arrive, ça, maintenant, on va analyser tout cela. Mais il voulait des éléments qui me poussent à croire que ce n'est pas Seedorf. Parce que le grand Seedorf ne peut pas fonctionner comme ça. Je vais vous prendre un petit exemple pour montrer le degré de discipline des grands athlètes. Lorsque le président Djitap est élu au Sinafoc, comme président du Sinafoc, mon premier rendez-vous, il me donne le premier rendez-vous à Yaoundé. C'était prévu à 10h. Je suis arrivé à 10h03. Il a regardé sa montre, il m'a dit, monsieur Itiga, moi je passe déjà à autre chose. Ça dénote de la discipline individuelle et collective de l'homme. Ça part du foot. Alors Seedorf, qui également est une sommité dans l'affaire, ne peut pas fonctionner de la façon dont nous voyons la sélection fonctionner. Je m'arrête d'abord à ces quelques éléments-là. Oui, allez-y, Jean-Marie Wam. Non, écoutez, moi je pense que il ne faut pas toujours aggraver les choses. Les questions de choix sont des questions subjectives. Si aujourd'hui on dit Jacques-Marcel Itiga est sélectionneur des liens indomptables, ses choix seront critiqués et critiquables. C'est clair. Et c'est l'humain. C'est l'homme. On est comme ça. Donc, maintenant, est-ce que Seedorf est patron? Non, je voudrais qu'on s'entende un peu sur certains faits. Au moment où Seedorf arrive au Cameroun, il connaît un joueur camerounais? Il ne connaît pas. Oui, il connaît. Non, écoutez, laissez-moi parler. Je vais vous prouver qu'il peut connaître. Mais vous n'avez pas dit que Seedorf ne connaît pas un joueur. Je dis ceci. Il peut connaître, mais il ne connaît pas tous les joueurs. Oui, d'accord. OK. Et donc, il doit se référer à certains... À ses collaborateurs pour qu'on l'accompagne à faire une liste. Je suis d'accord là-dessus. Donc, ce sont ses collaborateurs qui l'ont induit à l'erreur. Itiga, vous ne pouvez pas venir le premier jour et connaître Samuel Zoker comme joueur de l'équipe nationale. Vous connaissez quelques-uns. Et on l'a vu effectivement tatillon lors de ses premières listes. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend que... Donc, pour vous, il a su régler la vie. Il commence à comprendre. Et ça, il faut l'accepter. Donc, pourquoi il faut noircir le tableau? Et si on vous prend aujourd'hui... Jean-Marie, moi, je ne questionne pas. Laissez Jean-Marie faire mon analyse. Si Jacques Marcel vous êtes désigné aujourd'hui sélectionneur du Tchad, quand vous arrivez, vous vous appuyez sur certains nationaux qui vous orientent sur certains joueurs de cette équipe. C'est de ça qu'il est question. Oui. Maintenant, on va voir Seedorf pour cette CAN. Et on a commencé à le voir. Dans les deux derniers matchs, il a commencé à prendre la mesure de cette équipe. Et j'en veux pas les résultats. Yves Tchamadeu, quel est pour vous le premier critère de sélection d'un joueur? Sur quoi l'entraîneur doit d'abord s'appuyer comme premier élément critère de sélection d'un joueur? Est-ce que c'est la compétitivité? Est-ce que c'est le fait d'être un ancien de la liste? Pour vous, c'est quoi? Je pense qu'il y a des facteurs.
pour moi, un, la stratégie de jeu qu'aimerait mettre l'entraîneur en place. Deux, le profil des hommes correspondant à cette stratégie. Trois, il y a des éléments comme le temps de jeu en club, les statistiques, la performance. Je dis ça pourquoi? Vous pouvez être un joueur étant sur le banc en club, mais rentable à la sélection nationale. Je me rappelle que Nicolas Nkoumé, titulaire en 2010 avec les Lions, ne jouait pas à Monaco comme titulaire. Mm. Beaucoup de joueurs ont commencé à être titulaires avec le Cameroun, n'étant pas titulaire à club. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez une panoplie de choix, où vous avez des joueurs qui sont dans une sélection nationale, ne sont pas performants, vous pouvez critiquer leur présence à la sélection nationale. Et ça peut remettre en scène le problème de personnalité de Clarence Seedorf au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un entraîneur comme Clarence Seedorf, jadis venu au Cameroun, ne connaissait pas les joueurs camerounais. On accordait le bénéfice de tout. Il a mis des joueurs en essai. Il a commencé sans convoquer des joueurs comme Bassorok, avec des amis là-dessus. De voir d'autres joueurs. Il a convoqué sans convoquer des joueurs de l'Asie, estimant que c'est des championnats mineurs de seconde zone par lesquels il est passé pour venir au Cameroun. Mais après, il est revenu lui-même sur sa propre raison, en estimant qu'il fallait qu'un joueur comme Bassorok soit dans l'équipe nationale et qui est arrivé à faire la différence. Et vous pensez qu'il a été influencé dans ses choix? Non, parce qu'au départ, on a l'impression qu'il était très sûr de lui. Marc, quand on a cette posture, il y a ce qu'on appelle en information, en entreprise ou pour moi, la recherche de l'information. Il y a ce qu'on appelle l'information rationnelle, l'information irrationnelle. Et quand vous avez une information irrationnelle, vous faites la mauvaise décision. Ce n'est pas qu'en football, même en entreprise, ça se passe. Quand vous avez la mauvaise source d'information, vous prenez la mauvaise décision. Maintenant, quand il arrive, il a des sorties, à mon sens, tendancieuses, médiatiques. Moi qui me pose un problème, un entraîneur qui fait pas des listes, qui ne justifie pas ces listes lors d'une conférence de presse, pour moi c'est un problème parce que la fédération doit prendre les choses à bras le corps. Il est employé par le Cameroun. Donc, donner une liste étant à des milliers de kilomètres du Cameroun, ce n'est pas sérieux. Donc, ça pose un problème. Et là, ce n'est pas que sa responsabilité, c'est la responsabilité aussi de ceux avec qui il travaille, de ceux qui l'embauchent. Voilà. Donc, et quand vous partez de là, vous comprenez bien qu'à un moment donné, Seedorf se dit qu'il est dans un environnement où il peut faire ce qu'il veut ou alors. Les gens ne sont pas sérieux, alors il devient lui-même pas sérieux. Donc, maintenant, quand on parle de là, on tombe sur les choix des hommes. On a vu des joueurs dans cette équipe. Vous avez un gars comme Nguyen, qui est titulaire à Salzbourg, mais qui au Cameroun ne donne pas le rendement qu'il faut. C'est un cas ambigu. Oui, il y a aussi une question. Il a joué 12 matchs. Voilà, j'y arrive. Il y a une question, Marc, de feeling et de positionnement dans le vestiaire. Aujourd'hui, quand vous avez. Le docteur disait aujourd'hui que je ne dois pas prendre l'équipe, le cas de la France. On ne peut pas faire d'exemple, ça se référera à des cas référents. Il y a des joueurs dans l'équipe de France qui ont été vraiment critiqués par la presse française. Mais Deschamps a été têtu, il a fait avec ses joueurs et il a gagné. C'est pour dire quoi? Il y a une question même de compatibilité du joueur. Quand vous avez un joueur que vous pouvez tenir d'un vestiaire, qui vous suit, qui ne vous pourrit pas le vestiaire, il est préférable à un joueur talentueux qui peut venir créer de la merde d'un vestiaire. Donc il y a plusieurs paramètres qui conduisent à une sélection. Aujourd'hui, on critique la liste de Seedorf ou quoi? Parce que vous avez des joueurs comme Tep qui sont venus dans cette équipe, qui ont joué, qui n'ont pas donné satisfaction et qui sont revenus. Est-ce que c'est un manque de et qui ne jouent pas en club et qui ne jouent pas en club? Est-ce que c'est un manque de solution? Est-ce que c'est un manque d'autres choix? Vous avez des joueurs comme Salih Edgar qui ne jouent pas en club. Ce type de joueur, est-ce que c'est un joueur qui vous a été imposé ou bien vous le faites de vous-même? Un joueur qui n'a pas joué toute la saison. C'est donc ça le problème de la personnalité de l'entraîneur. Parce que moi je juge Seedorf sur la décision. Si tu prends une mauvaise décision, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Je me réjouis quand même du développement de Monsieur Wam, qui veut nous ramener à la subjectivité de l'entraînement, qui est une science. Mais ce que je dois dire... Subjectivité des choix. Ce que je dois dire... Oui, ça c'est la même chose, monsieur. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, monsieur Marc Chouamou, c'est qu'à la FECAFOOT d'abord, nous n'avions pas un répertoire des footballeurs camerounais. Je vous parle des faits, monsieur. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Ça va me rendre désagréable, monsieur. Ne m'arrêtez pas. Non. Laissez-moi dire les conneries. Et après, vous allez prendre la parole. Je dis donc, il faut ce répertoire. C'est ça qui renseigne à suffisant l'entraîneur. Et maintenant, l'entraîneur va faire ce qu'on appelle un premier tamis. Et sur la base de ça, il va commencer à faire des vérifications. C'est pour ça que dans son staff, il va envoyer les gens superviser les joueurs. Je ne vais pas rentrer dans ce commentaire parce que tout le monde connaît la méthode de sélection
des joueurs. Mais l'autre chose que nous ne comprenons pas avec Laurent Sidoff, c'est que quand vous arrivez, docteur Ngoy, il est médecin, vous ne pouvez pas soigner un patient sans faire son diagnostic. La première des choses, vous êtes médecin, c'est le diagnostic. Le diagnostic de Sidoff, c'est lequel? Yves Tiamadé vous l'a si bien dit. Il est incapable de venir nous dire, j'ai pris... De venir dire à Samuel. Non, on peut le Cameroun. Il y a les usages dans le football, monsieur. Il y a des usages. Ne restez pas dans le presse, comme le font les sélectionneurs. Ne restez pas dans l'étude du village. Vous avez des pratiques villageoises. Le monde n'est pas dans la sélection, mais dans la presse. On va laisser Samuel terminer. Il y a des pratiques. Je comprends pas. Il y a des pratiques. Il y a des sélections qui se sont faites dans ce cas. J'ai dit qu'il y a des pratiques dans le monde du football. Si nous voulons nous arrimer à la modernité, il faudrait que nous acquérions ces pratiques-là et que nous les appliquions chaque fois. Aujourd'hui, nous avions l'impression que Sidoff est tatillon parce que, un, il ne communique pas sur ses choix. Deux, on ne voit pas. Il y a des choix questionnables après la prestation au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Sur lesquels on n'apporte pas de réponse. Oui. Et je crois que tout cela rend son profil, enfin, son statut questionnable dans la mesure où on se pose bien la question si c'est réellement lui qui choisit. Oui, docteur, vous voulez réagir. Oui. Oui, je crois que à la... Samuel n'a pas très bien suivi. Ouais, peut-être. Ça veut dire que si on nomme Samuel Nzoké, entraîneur de Tonnerre de Yaoundé, il va d'abord prendre un temps pour connaître les joueurs du Tonnerre. Le club, ce n'est pas l'équipe nationale. Oui. En fait, à l'équipe nationale, c'est à un niveau plus élevé. Et là où tu dis, c'est ce qu'il veut dire, là où je rebondis, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs dans le vestiaire que l'entraîneur maîtrise, que le commun des mortels dehors ne maîtrise pas et ne fait que des supputations. Oui. Olivier Giroud, réserviste à Chelsea, titulaire en équipe de France. Seul Deschamps peut vous dire pourquoi. Karim Benzema. Oui, mais il vient d'être sacré meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Oui. Il n'est pas dans les. Mais docteur Ngo, dans ce cas-là, Deschamps a communiqué les raisons de leurs absences. Mais, oui, mais si on a l'impression qu'il y a motus bouche-cousue. Deschamps a une liste de 24 sur laquelle il communique. Sidov, il y a une liste de 34 sur laquelle il estime. Où il a communiqué à ses patrons les raisons, mais que le public voudrait avoir, sur laquelle le public voudrait avoir des informations. Mm. Parce qu'il y a une communication, il y a une double communication. Ouais. Il y a une communication interne avant la communication externe. Il faut mettre à la disposition les acteurs, les informations. Les journalistes doivent savoir quoi ils parlent. Pourquoi? Parce qu'on a mis à leur disposition la fiche technique. Si je reste en France... C'est de ça qu'il est question. Samuel, il y a Laborde, titulaire indiscutable à City, qui n'est même pas dans les 24. La différence avec la France, c'est qu'il y a une panoplie de choix qualitatifs qui sont compétitifs. Jean-Marcel, on va rester sur... C'est ça la différence. On va rester sur le statut. On va rester sur le statut de Clarence Sidoff. Oui. En parlant des pressions externes sur la convocation de ces listes. On parle des influences des agents de joueurs, des agences de joueurs même.